Salut, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais nickel là. Dans cette vidéo, je vais te partager une astuce qui va te permettre de gagner dans chaque mi-temps au cours des matchs. Donc, si tu veux tout savoir, tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines opportunités ou les prochaines astuces que je vais te partager sur cette chaîne. Donc, une fois que tout cela est fait, rentrons dans le vif du sujet. L'astuce en question est très très simple, donc je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Et ici, je vais venir cliquer sur Paris Sportif. Surtout, suis bien la vidéo parce que je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que ça marche pas avec tous les championnats. Donc ici, tu vois que ici il y a Coupe d'Angleterre. Donc ce système-là, cette méthode-là, ça marche beaucoup avec les championnats anglais, la Russie, le Portugal. Dans le Japon, voilà, il y a des championnats sur lesquels tu dois mettre cet événement-là. Mais attention, il y a des championnats aussi à éviter. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc, ici, ce que nous allons faire, nous allons d'abord cliquer sur ce match. Et une fois que j'ai cliqué sur le match, la première des choses, nous n'allons rien faire d'abord. Nous allons juste venir cliquer ici. Voilà, nous allons cliquer sur les trois barres qui sont ici. Suis bien la vidéo. Donc, nous allons cliquer dessus. Et ici, ce que nous allons faire, nous allons venir cliquer sur tête à tête. Donc, nous allons cliquer encore sur tête à tête des deux équipes. Voilà, et ici, nous allons voir les résultats. Voilà, ce sont tous les matchs que les deux équipes ont eu à jouer. Ici, tu vois qu'ils ont fait 1-1. Ici, ils ont fait 1-0. Ici, à 2-0. Ici, à 0-0. Et puis, ici, à 1-1. Et puis, ici, à 0-0. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons sortir et puis nous allons choisir notre option. Donc je vais faire un retour, encore un retour. Voilà, et cette fois-ci, vous allez défiler en bas de la page. Voilà, vous allez défiler tout au fond de la page. Voilà, nous allons défiler en bas. Nous allons défiler au fond de la page. Voilà. Et ici, c'est cet événement-là qui nous intéresse. Nul dans au moins une mi-temps. Je vais cliquer dessus. Ici, il y a nul dans au moins une mi-temps. Oui, la cote s'élève à cote 1,54. Et puis, on a nul dans au moins une mi-temps. Et puis, le non, la cote est de 2,32. Cela veut dire que s'il y a un match nul au cours d'un mi-temps, par exemple, si un mi-temps, il y a 1-1 ou 0-0 ou 2-2, voilà, ton coupon, il est gagnant. Donc, ici, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur oui. Une fois que tu cliques sur oui, tu vas juste ajouter sur ton coupon. Donc, nous allons aller choisir un deuxième match. Voilà, nous allons descendre encore. Nous allons venir choisir ce match-là. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et n'hésite pas à rejoindre le canal Telegram qui est juste en bas de la description. Là-bas, je te partage chaque jour des coupons gratuits. Voilà, ce sont des coupons qui sont sûrs presque à 100%. Parce qu'en Paris Sportif, le 100%, ça n'existe pas, mon gars. Donc, rejoins le canal Telegram. On s'est fait un max dessous là-bas. Donc, ici, nous sommes sur la deuxième équipe, et ce que nous allons faire, nous allons encore cliquer ici sur les trois barres. Après avoir cliqué sur les trois barres, tu vas cliquer sur tête à tête. Donc nous allons attendre la connexion un peu lente. Voilà, ici tu vas cliquer sur tête à tête ici. Tu cliques encore sur tête à tête des deux équipes, et ici tu vois l'équipe, les deux équipes ont joué seulement une fois et ils ont fait 0-0. Donc ce que nous allons faire, nous allons sortir. On va sortir encore. Voilà, et une fois qu'on est sur cette page, nous allons défiler en bas encore. Nous allons défiler au fond de la page. Je vais vous mettre le lien de mon canal Telegram. N'hésite pas à rejoindre le canal. Mon gars, chaque jour, je te partage des coupons gratuits là-bas. Donc, n'hésite pas à intégrer le canal. Et like cette vidéo et partage pour faire agrandir un peu la communauté. Donc, nous allons défiler en bas. Voilà, nous allons défiler tout au fond de la page. Voilà, on va défiler. Et ici, tu vas voir l'option encore. Voilà, nul dans au moins une mi-temps. Et ensuite, tu vois que le oui, la cote s'élève à cote 1,55. Et le non s'élève à cote 2,3. Donc, ce que tu vas faire, tu vas choisir oui. Donc, il y aura nul dans au moins une mi-temps. Et tu mets dans ton coupon de pari.
Voilà, avec cet événement-là, ne dépassez pas deux combinaisons. Voilà, une fois que je vais dans mon historique, vous allez voir que j'ai misé sur ces deux événements-là, mais je n'ai pas combiné. Donc, je vais cliquer ici. Et ici, tu vois que j'ai misé sur l'événement, mais je fais ça en pari simple, je n'ai pas combiné. J'ai mis 1000 francs et le bénéfice sera de 1500. Donc, je vais sortir encore. Et ici, il y a le deuxième pari. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Et ici aussi, tu vois que j'ai mis nul là, dans au moins une mi-temps. J'ai mis 1000 francs. Le gain sera de 1500. Donc, c'est comme ça que ça marche. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher une pouce en l'air. Surtout, intègre le canal Telegram pour plus de coupons. Là-bas, je te partage à chaque jour des coupons gratuits. Donc, on se dit à ciao pour une toute nouvelle vidéo.